Alors, de ce côté-là, j'avais le gros miroir doré. Celui-ci, là, hop. Je l'ai enlevé parce que franchement, déjà, ça, le bureau ne passait pas. Et c'était très, très, très imposant. Par contre, j'avais deux trous de chaque côté. J'ai acheté ici la pâte comme ça, Patex. J'ai essayé de boucher que les petits trous, mais ça faisait pas. Bref, ça voulait pas fonctionner. Genre, ça faisait. On voyait encore le contour. Et là, honnêtement, j'ai pas envie de repeindre parce que si on repeint, il faut repeindre tout le mur. De loin, vraiment, on voit que dalle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tas. Là, vous voyez. Mais je vais poncer. Voilà, je vais poncer. Je pense que ça pourrait le faire. Je suis même quasiment sûre. Donc, j'en ai mis vraiment pas mal. Sauf que j'étais persuadée que j'avais des feuilles de ponçage à la maison. Alors, mais là, je les ai pas trouvées. Bon, c'est pas grave. On va passer quand même au miroir. Je vais coller le miroir et ça, je le ferai demain. J'achèterai tout ce qu'il faut là pour poncer. Alors maintenant, je vais coller le miroir, je vais venir mettre donc du nanotape, je vais en mettre partout, partout, notamment sur les petits carrés blancs là-bas. Et je vous dirai si ça tient sur le long terme, parce que je n'ai pas réussi à enlever les carrés. J'ai voulu essayer de l'enlever, mais au final, ça me rayait le miroir. Donc du coup, j'ai mis du nanotape, mais vraiment partout. J'ai vidé tout le rouleau. Maintenant, place à la décoration. Je vous laisse regarder ma petite déco vraiment toute simple et minimaliste. Maintenant, je vais donc changer les draps. On va faire le lit ensemble. Concernant mon lit, je vous l'ai déjà partagé. Il vient de chez Bellona, ici à Clermont-Ferrand. C'est un 2 mètres par 2 mètres. Voilà. Et il fait aussi coffre. Franchement, ça, c'est trop, trop bien. Et d'ailleurs, donc, dans la commode, dans les petits rangements que j'ai mis au niveau du bureau, je vais prendre le grand tiroir du bas pour y mettre, par exemple, tout ce qui est drap housse, mes draps, etc. Voilà. Je vais pouvoir mettre plein de petites choses dans ces tiroirs. Donc, ça, c'est cool.
Une fois que j'ai fini de faire mon lit, je viens prendre mon petit vaporisateur là où j'y mets l'intérieur du musc blanc de chez Action. Ça sent trop trop bon et ça reste vraiment sur le linge. C'est super agréable. D'ailleurs, c'est galère à le trouver. Hein. Dès qu'il y en a, les gens en prennent par plusieurs et c'est vraiment une vraie galère. Je viens mettre mon petit olivier. Allez, je m'assois et je continue. Regardez ici cette belle toile, cette belle décoration. Non, je rigole, c'est juste ma télé. Alors, si vous voulez faire cette petite déco, franchement, ça donne super bien. On dirait vraiment un cadre quoi. Je suis partie sur YouTube et j'ai marqué déco, cadre, télévision. Et là, ça dure 2 heures. Voilà, si vous souhaitez. Et franchement, ça fait trop en 3D et tout. Vous voyez? C'est trop trop bien fait et on a mis à niveau la télé parce qu'elle était un petit peu penchée et là nickel. Alors le but vraiment c'est de vous montrer et de vous détailler ce petit coin bureau. On va appeler ça bureau mais honnêtement ça va être 2 en 1. Mais c'est comme si j'avais agrandi un peu mon dressing. Parce que mon dressing il est de ce côté-là. Je vous parlerai de cet endroit-là plus tard quand ça sera terminé. La semaine dernière, voire 10 jours, c'était les 10 ans d'IKEA ici à Clermont-Ferrand. Il y avait moins 15% sur les dressings. Du coup, j'en ai profité pour prendre du coup la colonne. Moi, j'ai pris une colonne de 75 cm, d'accord, de large. Hop. La profondeur, on est sur 57, 57, 58, un truc comme ça. Chez IKEA, vous avez la possibilité de choisir la profondeur. Soit 50, 57, un truc comme ça, 57, 58. Ou comme ça, donc là, j'ai mis mon trépied. Soit comme celui-ci, là. Et là, on est sur, je crois que c'est 30, 35 de profondeur. Moi, étant donné que je voulais faire le coin bureau ici, il fallait absolument que je prenne 60 comme ça, quoi, que je prenne 57 cm. Sinon, j'aurais fait uniquement 35 pour garder de la place. Mais franchement, j'ai quand même pas mal de place, hein. Moi, je trouve que ça fait mieux comme ça fait plus, comment dire, cocooning. Avant, l'espace, c'était trop vide, là, en fait. Il manquait quelque chose. J'ai pas totalement fini, mais je me suis dit je vais quand même vous le partager. J'ai acheté les poignées, j'ai tout acheté. Au-dessus, il y a les barres pour. En fait, ça va être une penderie. Voilà, je vais agrandir mon coin dressing. J'avais pas assez de rangement pour mettre même les manteaux, etc. Donc là, je vais pouvoir tout mettre à l'intérieur. Donc ça, c'est les packs. Ensuite, vous pouvez choisir les portes de votre choix. Donc moi, j'ai pris celle-ci, mais vous pouvez prendre. Vous avez soit tout miroir. Soit tout simple en blanc, vous avez bref plein 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 de choix. Ensuite, ces commodes-là, généralement, ils les proposent pour les chambres d'enfants. Voilà, chambre d'enfants avec des poignées, etc. J'en ai pris deux. Donc, je vous mettrai ici les références, hein. Je vais vous mettre vraiment toutes les références afin que vous puissiez vous aussi, si vous souhaitez faire la même chose, pourquoi pas. Donc j'en ai pris deux. Donc j'ai pris deux. De la même taille de caissons, ce sont des caissons de 60 avec les tiroirs. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des rangements avec portes. Donc là, le caisson, il m'avait coûté, il était à 110 euros, sachant qu'il y avait moins 10% sur tout le magasin. Donc moi, j'ai bénéficié de plein de petites promotions comme ça. Voilà, donc c'était 110 euros l'unité. J'ai rajouté des pieds. Voilà, donc j'ai mis ces pieds, les pieds, il y a plusieurs modèles de pieds. J'ai pris moi ceux-là. Voilà, ils sont à 10 euros les deux. Et les poignées, je les ai achetées, je ne les ai pas encore regardées, c'est ça. Elles sont ici, les poignées, hein, vous voyez, c'est celles-là. Elles sont à 4 euros les deux. Donc il faut que je fasse ça bien. Et je vais percer l'autre côté. Et en gros, ça donnerait ça. Tout simple et sympa. Donc là, je vais en mettre dans chaque tiroir. Ici et ici. Et d'ailleurs, j'en mettrai également une par ici. J'ai décidé de mettre un miroir, mais j'étais pas obligée. J'aurais pu mettre une porte blanche. La seule chose qui m'a fait choisir ça, je vous le dis quand même, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait différentes nuances de blanc sur les portes. Notamment celle-ci, c'était pas la même gamme que celle-là. Du coup, j'avais peur que ça fasse genre blanc et ivoire. Par peur, j'ai dit je prends un miroir, c'est mieux. Et d'ailleurs, ça nous permet aussi de nous regarder, voilà, de voir la petite tenue. Ouais, pourquoi pas. Franchement, on voit bien. Hein.
Donc voilà. Ensuite, je suis partie dans le rayon bureau. Et j'ai pris ce plan de travail. Donc ça, c'est un plan de travail pour bureau. C'est pas du tout un plan de travail pour cuisine parce que le prix, c'est pas la même chose. Hein. Celui-ci, il est à 30 et quelques ou 20. Bref, je vous mets ici la référence. Je me souviens plus. Mais il était beaucoup moins cher qu'un plan de travail de cuisine. Donc j'ai mis ça. Voilà. Et là, je ne l'ai même pas fixé. Vous voyez, j'ai juste posé pour le moment. Peut-être que je mettrai une petite équerre en dessous. La chaise, je vous en ai parlé l'autre fois, elle provient de chez Jiffy. Voilà, donc j'aime bien ces petites touches de bois qui vont venir réchauffer la pièce. Et ce beau miroir, il provient de chez Jiffy. Donc le miroir, je l'ai pris à 16,99 €, un truc comme ça. Et ça fait un moment que je vous l'avais montré, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de le mettre. Je savais pas trop ce que j'allais le mettre. Et c'était pas du tout prévu de le mettre dans ma chambre. Mais là, ça fait minimaliste, ça fait très léger, j'aime trop. Voilà, donc voilà, quelques petites décorations que j'ai posées comme ça. Après, j'ai pas voulu trop encombrer, le but c'est que ça reste léger. Là, j'y mets la petite télécommande. Et voilà quoi. Hein. Le petit olivier, c'est pas le mien. C'est pas le mien, c'est celui d'une amie. Je lui ai pris, elle m'a demandé de lui prendre chez BM. J'ai voulu tester pour voir ce que ça donnait, tout simplement. Mais je pense que je vais en prendre un moi aussi, mais pas pour cette pièce. Il me manque maintenant la pièce maîtresse de cette pièce, c'est les rideaux. Vraiment, il faut que je me motive parce que les rideaux, je les ai, la barre de rideaux, je l'ai également. Il faut absolument que je mette. Sinon, ici, j'ai mis un petit tapis de chez Jiffy. Je l'ai acheté pour le mettre dans la chambre de mon fils, mais finalement, quand j'étais en train de ranger la chambre, je l'ai mis hier. Et comme je vous disais, je voulais mettre un grand tapis afin de réchauffer un petit peu l'espace. Mais déjà maintenant que le bureau est installé, il reste pas grand. Enfin, ce que je compte faire en fait, c'est prendre deux tapis un peu plus grands que celui-là, histoire qu'ils viennent un peu genre jusqu'à là, là. Mais je me suis dit si je vais prendre un grand tapis, sachant que mon lit mesure 2 mètres, ils sont chers quand même les grands tapis. Je vais prendre un gros tapis pour qu'il passe en dessous du lit. Je préfère acheter deux tapis et en mettre un de chaque côté et que ça fasse bien de la fenêtre au lit jusqu'ici. Pourquoi pas? Donc je vais voir ça chez Jiffy. J'ai vu qu'ils avaient la même chose mais un peu plus grand. Donc je me suis dit pourquoi pas en prendre un de chaque côté, en mettre un ici et un par là. Sinon, la chambre, elle sent super bon là. Maintenant que j'ai mis le petit spray au musc blanc, c'est une dinguerie. Voilà, le lit, bon, vous savez, ça vient de chez Bellona. Bon, je vais m'arrêter là, moi, pour cette vidéo. J'espère que ce room tour, oui, pour le coup, c'est bien ça. Voilà, j'espère que ce room tour vous aura plu. Je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.